Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Quand est le jeudi 30 juin sera à Paris-Longchamp sur une distance de 1850 mètres. Col d'Adrouette, terrain sous. Référence plus 20. Alors, et sur la 4e, la 6e course. Alors, ils seront 16 au départ de ce quintet, sur beau quintet, avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 2, Semilan, 8 contre 1. Le 5, Trudy, 5 contre 1. Le 7, Berto, avec 12 contre 1. Le 10, Maxime Lyon, 7,5 contre 1. Le 12, Stéphane Pasquier, 13 contre 1. Et le 13, Vélon, avec 10 contre 1 à la porte. Les grands favoris donnés à la fois, le 5, 5 fois, le 15, 2 fois. Le parcours est une piste roulante, piste en gazon. Ligne d'arrivée à 650 mètres. C'est une longue ligne. Alors, pour les chevaux d'Atlantis qui peuvent réaliser cette arrivée. Il y a aussi deux écuries d'entraînement. C'est le cas du numéro 3-13. Et 11-15. Et pour le premier handicap, c'est le cas du numéro 4. Attention à cette femelle de Grande-Bretagne. Aussi, je vous informe, il y a une femelle qui sera sur le début d'être enceinte, c'est le cas du numéro 14. Attention à cette femelle. Les femelles enceintes sont très dangereuses dans les pistes ou sur cette distance-là. On passe à la sélection. Sélection de 10, Touillot 5, les Belchons 7, 12, 13, 6 et 8. Comme toujours, on vous donne les grands tocards ou les chevaux qui peuvent créer une grande surprise. C'est le cas du numéro 4, 11, 15 et 9. Aussi, il y a des belles outsiders comme le 8, le 1 et le 3. On passe Longchamp, Paris-Longchamp, Réunion 1, 6e course. Les grands favoris 5, 10, 2. Les favoris cachés 7, 13, 12. Et les outsiders 3, 6, 8. Les tocards 4, 11, 9. Écurie 3, 13, 11, 15. On passe au poids chargé. Les chevaux chargés, c'est le cas du numéro 16 plus 4,5 kg, le 5 plus 4 kg, le 11 plus 2,5 kg. Aussi, il y a le poids baissé,
c'est le cas numéro 14, 9, moins 1 kg. Et 3, 10, moins 2 kg. Donc, attention au poids. Attention au poids. C'est un quintet de plat. Les rapports seront beaux. On passe à la base, première base, le 5, la deuxième base, le 10, possible pour être à l'arrivée, le 12. Les As ont donné 1, 11, 2. Au courrier, toujours 3, 13, 11, 15. Entraîneur en forme, 3, 13 et 5. Le joker en forme, 4, 7. Alors, passe finalement au classement de ce bel quintet de jeudi 30 juin, c'est la fin du mois, sur 1850 mètres plat. Alors, on voit le 5, 10, 2, 7, 13, 12. Comme toujours, les gens qui me suivent, je vous parle des bonnes bases. Pour faire une bonne base, il faut prendre trois favoris ou deux favoris ou trois favoris maximum. Comme ça, vous ajoutez un outsider. Pour vous informer que les outsiders sont des cotes près des favoris. Alors, ils sont aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut mettre attention aux outsiders. Si vous prenez trois chevaux des favoris, trois chevaux des favoris là, vous ajoutez un outsider. Ou deux outsiders, ça dépend de votre argent de poche aujourd'hui. Moi, je vous explique la méthode comment vous crochez un quintet. J'ai dit, vous prenez deux favoris ou maximum trois favoris. Vous ajoutez un outsider et comme ça, vous aurez quatre chevaux dans votre base pour former un quintet. Si vous avez l'argent, vous mettez un champ total. Si vous n'avez pas, vous ferez un champ réduit et vous ajoutez les champs, les chevaux qui vous plaît comme étant cas pour un non-cité ou deux non-cités pour créer la surprise. C'est pour ça que vous pouvez aller loin, pourquoi pas à la caisse, pour apporter ce gros rapport dans vos poches. Moi, je fais mon travail pour vous aider chaque jour et pour vous donner des infos sûres, des vraies infos pour vous aider chaque jour. Je suis là en souhaitant que les gens, que les membres abonnés qui me suivent partagent ce vidéo avec leurs amis et pourquoi pas dans les groupes YouTube préférés. Alors, à ce temps-là, je vous laisse. On vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure, pour vous donner des vraies infos pour le quintet de vendredi. Attention, le quintet de vendredi sur 25 sera à 25. Et je vais vous donner le code gratuit pour calculer votre combinaison gagnant. Je vous laisse maintenant. Bonne soirée et à bientôt.